Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP en mode Legends Battle Royale EX avec ma team EX justement que je vous ai déjà montré lors de mes précédents lives avec Yajirobe, Goku et Jiren. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis actuellement 11 victoires pour 4 défaites, j'ai 3 tickets. J'aimerais bien aller directement aux 14 victoires dans cette vidéo. On va voir ça, on va voir si on arrive à faire les 3 victoires. Bref, les amis, max de pouces bleus en mode Dinkidama, je compte sur vous. Et j'espère surtout ne pas me faire contrer le Rising Rush. Parce que clairement, c'est ce qui fait défaut à ce mode. C'est que si tu te fais contrer ton Rising Rush et que le mec derrière t'en balance 2, c'est plié pour toi. Let's go les amis, on va voir ce que ça donne. Yeah! Ok, voici la première team en face de nous. Il y a également Yajirobe. Bon bah moi voilà, je vais prendre mes 3 persos. Yajirobe, Goku et Jiren. On va voir ce que ça donne. Alors attention parce que c'est vrai que dans ce mode là, dans le Legends Battle Royale, hein, voilà, je vous ai mis le fond vert et tout derrière moi pour vraiment illustrer ce mode de jeu. Moi je trouve ça sympa. Par contre il y a des fois ça lag de fou. Et là, c'est comme ça des fois que je perds des games. Allez. Ok. Ok. Bon voilà, Yajirobe il tank. C'est ça qui est vraiment intéressant avec Yajirobe. Hein. Regardez les points de vie, j'ai encore 3 200 000. Je prends la carte verte, hop, je remonte à 3 600 000. C'est ouf. Ok, c'est bon, ça tape. Hop, et ça fait mal. Hein. Voilà. On va faire l'aspect là-dessus. Yajirobe, pour moi, c'est le crack de ce mode de jeu, clairement. Je trouve que Yajirobe est tellement impressionnant. Voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal là ce qu'on a fait. Voilà. Voilà. Ok. Très bien. Ok. Parfait ça. Allez. Goku. Ish. Voilà. Tac. Voilà. Maintenant, on fait le main. Ça ramène des cartes. C'est ça qui est fort avec Goku. Hein. Et des fois, je me fais avoir. Parce que des fois, je fais le main. Je vous le dis. Hein, je fais le main alors que j'avais encore 2 ou 3 cartes. Des fois, je veux aller trop vite, en fait. Je veux trop me précipiter. Mais là, voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Là, là ça se passe bien. Et voilà. Je Rising Rush. J'ai l'SP. Donc je vais mettre la blast. Pourquoi en fait j'ai Rising Rush à ce moment là Parce que vu que je n'ai pas perdu de personnage et que lui non plus, si tu n'as pas de spé, faire un Rising Rush sans spé, ça tuera pas le perso. Au moins là, voilà, quand il me le contre pas, je suis sûr qu'il y a un personnage qui fout le camp direct. Et pour le coup, c'est ça qu'on recherche. C'est que quand tu lances ton Rising Rush, faut absolument que tu sois certain de prendre le kill. Voilà. Et là pour le coup c'est bon, ça, ça l'a fait. Continuons, ça se passe bien pour l'instant. Ok. Voilà, je remonte les points de vie. 3 800 000. Donc là, c'est parfait. J'ai tempo comme ça, je le vois arriver. Bim. Bon, ça se passe bien là. Ok, là, il a mis dispo, donc je suis à contre-chip. Donc là, hop, on va refaire venir Jiren. Voilà, j'ai l'aspect. Ok. Parfait ça. Bon bah là, ça va être le kill. L'aspect de Goku, les gars, ça rigole zéro. Ça rigole zéro. L'aspect de Goku, elle est incroyablement forte. Donc là, voilà, parfait. Parce que du coup, il tank sur dispo. Là, forcément, je mets le Jiren. Faut que je garde le Yajirobe. Hein. Ok. Donc vous voyez, lui aussi, il avait une spé. Hein. Il a mis l'aspect dans le Rising Rush. Bon bah là, c'est mort pour lui. C'est mort pour lui, là, maintenant. Là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. J'ai bien pris de l'avance sur cette game. Et en plus de ça, je viens de lui contrer le Rising Rush. Ça va être terminado pour lui. Il va tenir, là, pour l'instant, le dispo. Parce que là, il m'a lock mes autres persos. Mais regardez, ça va gicler. Voilà, hop, je l'ai fait esquiver. Et puis, bon, bah là, ça va tanker. Hein. Voilà, ça tanque. Il peut plus rien faire, les frères. Ça y est, il est fini. Il peut plus rien faire. Allez, termino. Terminada. Termination. Pim. Et puis, bah voilà.
C'est incroyablement fort. Franchement, cette team, elle est forte. Après, en face, il avait quasiment la même team, sauf qu'il a mis dispo, tu vois. Mais voilà, en fait, ça se joue vraiment sur le Rising Rush. Si le mec, il sait jouer un minimum en face de vous, faut pas vous rater sur Rising Rush. Donc voilà, bon, là, on est à 12 victoires. Il me reste encore 2 tickets. J'aimerais bien encore avoir 2 victoires. Ça serait plutôt pas mal. Game suivant. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Toujours les 3 mêmes avec YOJOB. Et en face de moi, il a quasiment la même team, hein. Par contre, il est classé déjà en diamant. Il a 19 000 points, tout comme moi. Et en plus de ça, il a un titre. Donc ça, c'est un mec qui est habitué à faire du PVP sur Dragon Ball Legends. Bah, on va voir ce que ça va donner. Alors par contre, ça serait pas mal, Guimjo, que tu valides, hein. Ne fais pas perdre trop notre temps. Valide quand même, ça serait bien pour la vidéo, tu vois. Après, voilà, faut faire attention encore une fois, les amis, je vous le redis. S'il sait vraiment bien jouer, ça risque de se jouer justement au Rising Rush. Bon, c'est bon, déjà, il a validé. Bon, de toute façon, pas de surprise, je sais très bien qu'il va prendre Yajirobe, voilà, Goku A, et puis Jiren, hein, comme moi. Moi, Yajirobe, voilà, je le mets toujours en premier. Franchement, ce qui est intéressant avec Yajirobe, c'est que, du coup, c'est un personnage qui va tanker. Et comme j'ai pu vous le dire, c'est absolument primordial dans le Legends Battle EX. Il vous faut justement un perso qui pourrait tanker le Rising Rush. Donc voilà, avec Yajirobe, t'es plutôt bien, hein. Vous allez voir, hein, les points de vie en début de game, hein, 4 millions, tu vois, 4 millions de points de vie, bon bah t'es pas mal, quoi. Allez. Oui, je suis pas bon. Ah bah lui non plus, il a pas été bon. Bon bah ça c'est parfait, ça. Ça c'est parfait. Allez, let's go. La strike, voilà. Ish. Ah, ça lag. Ah mince. Comme par hasard. Un mec qui est plutôt bien classé, comme par hasard, ça lag. Tiens donc. Tiens donc. Ok. Voilà. Ça va pas, ça va pas passer. Ça va pas passer du coup. Bah ouais. Ça ne va pas passer du coup. Eh ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, forcément. Ok. Ok. Le Goku a kiffé mal quand même. Mais du coup, voilà, Yajirobe va venir tanker un minimum là-dessus. Il se transfo. Donc là, il va récupérer des cartes dans sa main. 4 cartes, du coup. Voilà, ok. Ça lag, hein. Franchement, c'est horrible. Donc voilà, ça, c'est... Ça, c'est horrible. Franchement, c'est horrible de jouer comme ça. Je déteste. Je déteste. Oh là 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 là. Ok. Te rate pas. Chuch, 953. Yes, ça passe. Allez. On se rate pas. Là, je Rising Rush, hein, direct. J'attends pas, les amis, pour la simple et bonne raison que, vu que ça lag, bah, je vais essayer d'aller récupérer un deuxième Rising Rush. Je vais pas attendre une spé ou quoi. Bon, ça passe. Bon, je pense pas qu'il tuera. Mais là, je peux pas me permettre d'attendre une spé qui arrive dans ma main, etc., vu les lags. Je suis obligé de faire ça. J'ai pas le choix. Là, ça va être une game très, très compliquée. Franchement, ça va être horrible. Je le sens. Après, ça va. On a fait des dégâts quand même. Oh, on l'a presque tué quand même. On a fait des dégâts. Hein. C'est pas mal. Bon, du coup, il s'est régène un peu. Uch, 953 encore. Yes, ça passe. Allez. Voilà. Il va switch. Ah, il switch, ok. Jiren! J'essaie de tout faire, les amis, hein, pour pas trop crier, tout ça. Parce que franchement, c'est pas très très appréciable de jouer comme ça. Ok. On va mettre la strike, on verra bien. C'est pas du tout appréciable. Là, franchement. Ouais, ouais, bah ouais. Bah ouais, bon, bah là. Bon, bah là, voilà. Là, je pars avec un désavantage. Je perds un perso tandis que sur son Rising Rush, tandis que moi, sur mon Rising Rush, j'ai pas réussi à lui prendre le perso. Et bah, ça va être très très compliqué. Allez, let's go, je suis en 2v3. Il a bien tanké. Oh, il a bien tanké, il a bien tempo. Putain, je dis n'importe quoi, je suis tellement absorbé par, par la game, du coup, que je suis en train de faire n'importe quoi. Ok, il a esquive. Ok. Allez, Jiren. Oh là là, non mais c'est horrible de jouer comme ça. Bah ouais, mais non. Tiens, chat, allez, mange. Allez, cuisine.
C'est horrible de jouer comme ça, parce que du coup, vu que ça lag, bah il voit exactement tout ce que je fais après. Oh la vache, là ça fait des dégâts. Hein. Ok, hop, comme ça, il va remettre le Jiren, voilà. Et comme ça, je peux remonter les points de vie. Par contre, oh là là. Parfait ça. Allez. Voilà Jiren, fais mal. Voilà. Alors par contre, j'aimerais bien des Dragon Ball sur les cartes, tu vois. Si ça se trouve, lui, il est en train de préparer un deuxième Rising Rush. Ok, parfait, ça passe. Il est en train de préparer, ça se trouve, un deuxième Rising Rush, mais... Oh putain, il est pas mort. Ok, parfait. C'est good, on est en train de faire une petite remontada, là. Let's go. Il faut juste une dernière Dragon Ball, et je serai bien. Bien évidemment, on l'a pas. Bien évidemment. Eux, quand c'est eux, t'inquiète qu'ils l'ont. Et voilà. Ah, comme par hasard. Ah, comme par hasard. Ça lag de plus en plus. Oh là 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 là. Voilà. Vous avez vu ou pas? C'est fou, hein. C'est fou. Oh là 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 là. Oh, que c'est catastrophique. Oh là là, il a réescrive. Ok. Oh ouais, d'accord. Oh là là. Ok. Parfait. Je me... Ah! Alors, j'ai voulu Rising Rush, normalement, les gars. J'ai voulu Rising Rush. Ça n'a pas Rising Rush avec le lag. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je comprends pas. C'est... Oh là 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 là. Catastrophique. Catastrophique. Faut que je le force à esquive. Oh, purée, 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 purée. Ok. Oh là là, c'est pas vrai. Hein. Ok. Ok, c'est bon, il a esquive. J'ai pas pu réesquive encore une deuxième fois. Par contre, maintenant qu'il a esquive, je me pose pas de questions. Voilà, Rising Rush direct. Tu peux faire ce que tu veux. Et là, du coup, je vais mettre la spé. J'espère que voilà. Ça va passer, puis comme ça, au moins. Non! Oh là là. Bégaye pas. Oh là là là. Ok. Ça a été une game exécrable. Franchement, une game catastrophique. Vous avez vu la connexion, les gars? Et je sais que je suis pas le seul. Hein. Je sais que je suis pas le seul à me manger ce genre de game dans ce mode de jeu LBRIX là. Non mais c'est un truc de fou. Franchement, je suis resté assez serein quand même. Parce que j'étais quand même en vidéo. Je pense que si je suis pas en vidéo, je pète un plomb, tu vois. Bon, c'est bon. On a fait la win. Il nous reste encore un combat. Max de pouce bleu, s'il vous plaît, les amis. Hein. Franchement, là, j'ai transpiré de fou. Dites-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, si vous avez ce genre de game. Ok, c'est la même team que moi en face. Donc, bah, du coup, hein, voilà, pas de surprise. On prend les trois mêmes. Il a 20 500 points. Il a plus de points que moi. Par contre, des belles italiens. J'espère ne pas avoir le même problème que la game d'avant. Voilà, j'espère que ça va être fluide. Mais quand je vois DBL Ita, les Italiens, en termes de connexion sur Dragon Ball Legends, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Hein. Allez. Ça passe. Ok. Yajirobe. Moi, j'ai toujours mes 4 millions de points de vie. Lui, il avait pas 4 millions, tu vois. Comme quoi... Ma team, elle est un peu plus optimisée que la sienne. Après, c'est les équipements, tout ça, tu vois. Allez. On a fait l'aspect et tout. J'ai bien tapé. J'ai que deux Dragon Ball. C'est un truc de fou. Voilà. Parfait, ça. On a bien tempo là-dessus. Oh, mais non, 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 non. J'aurais dû d'abord continuer à taper et ensuite faire le main. Bon, ça m'arrive des fois, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Voilà. Hop, let's go. Toria. Ah, il a pas fait le pas sur le côté, je pensais. Ok, très bien. Là, il me fait mal. Là, il me fait mal avec Goku.
Et ouais, du coup, il va continuer encore à taper. Il récupère 4 cartes dans sa main. Voilà. Là, il a bien joué. Hein. Franchement, là, il a bien joué parce que là, il me fait très, très mal. Aïe, 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 aïe. Il a vraiment très bien joué. Il m'a lock et tout, après, avec l'aspect, tout ça. Vraiment bien, wesh. Ok. Ok, très bien, il a fait le main. Pas mal. Oh! J'ai pas pu enlever Jiren. J'ai un peu le seum. Il joue bien. Franchement, il joue bien et ça va, il n'y a pas trop de lag. Bon, je contre pas. Je suis un peu mal barré. Hein. Ce sera peut-être la dernière game avec la défaite de cette vidéo. On verra bien. On va voir, on peut essayer de faire une remontada. Hein. Tout est possible. En LBR! On verra bien. LBR Battle Royale EX. Je dis LBR, mais voilà. Bon, ok, très bien. Ok, ça passe. Ok, fais mal, vas-y, encore. Parfait. Ok. Ok. Voilà, et là, je Rising Rush. Voilà. Comme ça, au moins, c'est bon. L'aspect, je la garde de côté. Comme ça, il va rajouter une spé dans son Rising Rush. Et vous voyez, les points de vie, bam, ça les envoie à la cuisine. Et du coup, c'est bon. C'est passé. Vous avez compris ou pas ma technique dans ce LBR Battle Royale? Je veux une spé dans mon Rising Rush pour faire le plus mal possible. Et quand vous en avez deux, c'est encore mieux. Par contre, j'ai pas pu... Ok, bon, c'est pas grave. Ok, là, il a envoyé la sauce, là. Bon, c'est bon. Ma carte verte avec Yajirobe le Goth. Franchement, c'est un boss, Yajirobe. Hein. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout ce qu'il a fait. Let's go! Là, ça va faire mal. Oh, l'aspect. Franchement, c'est des dégâts très très corrects hein, en IX. Pas mal ça avec la Girobé. C'est très chaud, hein. Ça passe pas ça. Pourquoi j'ai rattaqué tout de suite? J'aurais pas dû. C'est pas grave. Des fois, je fais des petites erreurs, je me précipite alors qu'il n'y a pas vraiment besoin. Ok, il avait déjà récupéré l'esquive. Oh! D'accord. Vas-y, je vais faire ça. Allez, je contre ou pas? Je contre ou pas? Je contre, monsieur! Mesdames et messieurs, ok, let's go. Oh. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Hein. Toria! Je pensais qu'il avait plus son esquive. Putain, je suis un teubé, là. Je suis un teubé. Oh là 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 là. Ça joue, hein. Là, ça joue, hein. Oh, les dégâts. Je sais même plus s'il a son esquive encore ou pas. C'est bon. Hop. Ish. Ish. Ça donne chaud, hein. Ça me fait transpirer, ces games. Pam. Normalement, c'est cuisine pour l'Yajirobe. Va chercher tes Senju à la cuisine. Avec Maître Karine. Ok, il a esquive. C'est déjà bien. Ok, hop. Toria. Et non, monsieur. Et là, faut pas se rater. Faut pas se rater. Faut pas se rater. Faut pas se rater, les frères. Tout va se jouer là-dessus. Tout va se jouer là-dessus. Tout va se jouer là-dessus. Les gars, normalement, salut kill. On a joué du mieux que j'ai pu dans cette vidéo, malgré les petites erreurs. Ça m'a donné extrêmement chaud. C'est vraiment un truc de fou. Franchement, incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. On a réussi. Voilà, 20 000 points. Bim. On a fait les 3 combats avec les 3 tickets, on a fait les 3 wins et on est à 14 victoires pour 18 combats. Donc 14 victoires, 4 défaites. En vrai de vrai, c'est pas mal avec les problèmes de connexion, tout ça, les Rising Rush contrés, le mec qui te balance 2 autres Rising Rush et tout, tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, n'hésitez pas vous aussi à commenter dans l'espace commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde, de vous liker, etc. Comme d'habitude, savoir un petit peu ce que vous en pensez de ce mode. Moi, je trouve ça bien maintenant.
faut être limite genre à un Rising Rush. Et puis bah, bien évidemment, la plus grosse problématique, il faudrait des serveurs, tout simplement, pour une meilleure stabilité sur le jeu. Mais ça, ça demande de l'argent, et à mon avis, c'est pas demain la veille. Voilà, max de pouces bleus, abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve très vite, et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Yeah!